Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un haul action. Comme d'habitude, j'ai fait des achats dans mon action et je vais les partager avec vous. Pour commencer, pour 69 centimes, j'ai pris ce rouleau de scotch, gros rouleau de gros scotch marron, 66 mètres de scotch sur 50 mm de large et il était à 69 centimes. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai repris un paquet de lingettes. Donc, ce sont les Teddy Care, les Baby Whips sensitives. Vous en avez 90 à l'intérieur et elles sont à 99 centimes. J'aime beaucoup ces lingettes-là pour changer les nids. Elles sont très très bien. Comme je vous dis à chaque fois, ce qui est bien aussi, c'est le système de fermeture qui permet de garder les lingettes toujours humides. Donc voilà, elles font très bien l'affaire et en plus pour un tout petit prix, puisque 99 centimes, ce sont des lingettes qui sont pas trop cher comparé à certaines lingettes de la grande distribution. Moi je les prends là-bas et j'en suis très contente. Ensuite, une nouveauté au rayon de Pâques, j'ai trouvé pour 99 centimes ces petits lapins là. Donc ce sont des lapins en, je sais pas exactement en quelle matière, mais c'est une matière qui casse, c'est pas du verre mais c'est peut-être de la céramique ou je ne sais pas trop, de la porcelaine, une sorte de porcelaine. Donc c'est des petits lapins qui sont tout nacrés. Vous aviez trois couleurs dans mon action: blanc comme ceci, bleu clair et vous aviez aussi bleu foncé, mais j'aimais moins, du coup je ne l'ai pas pris. Après j'ai pas vu d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez trouvé en d'autres couleurs comme du rose, du vert. Enfin, voilà, moi dans le mien il y avait ces trois couleurs là. C'était 99 centimes le petit lapin et je trouvais que ça faisait super sympa pour mettre dans la déco de la maison. Ça peut être aussi super sympa pour une chambre d'enfant sur des petites étagères, pas forcément pour une décoration de Pâques. Moi je les ai pas pris pour ça, je les ai pris vraiment en tant que décoration. Donc voilà pour ces petits lapins, je les ai vraiment trouvé super sympa. Ensuite, pour 1,29€, mon homme s'est pris des disques pour la disqueuse. Donc, ce sont des disques de coupe. Vous en avez 5 à l'intérieur. Et ils nous disent que c'est en acier inoxydable, que c'est pour la coupe uniquement et que ce sont des disques plats. Donc, c'est pour couper le métal, je pense. Voilà, ça se présente comme ceci. C'était 1,29€ les 5 disques. Pour 1,14€ et pour tester, j'ai pris ce gros bidon de Javel à la senteur pain. Donc il nous explique ici que ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, pour la maison, pour les sols, pour les trottoirs, pour les terrasses, pour les WC, pour les sanitaires, pour les poubelles, pour les bacs à animaux, les vides ordures, même pour le linge en machine à laver, en lavage à la main, etc. Tout est expliqué derrière. Donc vous avez une grande notice des fonctions. Comment utiliser ce produit-là? Donc c'est de l'eau de Javel qui sent le pain. Vous en avez 2 litres. C'était 1,14€ et vous aviez exactement le même modèle mais violet à la lavande. Moi j'ai pris celui-là parce que je trouvais que ça sentait assez bon. Ça sent la Javel avec le pain, ça sent vraiment le propre. Donc voilà, à voir après ce que ça vaut. Moi j'ai surtout pris pour nettoyer le sol. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé et ce que vous pensez de ce bidon-là, produit. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça servira parce que l'eau de Javel, ça sert toujours. Pour 1,06€, j'ai repris du sopalin. J'en avais besoin, j'y allais surtout pour ça à la base, pour prendre du sopalin. Et du coup, c'est le sopalin que je prends habituellement. Vous en avez 4 rouleaux à l'intérieur. Et il est très bien. Voilà. Ensuite, pour 99 centimes, mon homme s'est pris ceci pour le travail. Il s'est pris 2 petits couscous comme ceci. Ça a le même principe que les nouilles chinoises dans un petit pot. Vous mettez de l'eau bouillante dedans, vous attendez 5 minutes et ensuite, ça vous fait une portion de 180 grammes mais de couscous à manger. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà goûté celui-là parce que nous, on ne le connaît pas. Je le prends assez régulièrement. Leurs nouilles chinoises, elles sont très très bonnes. Mais le couscous, on ne connaissait pas, donc je vous en dirai des nouvelles une fois qu'il l'aura goûté. En tout cas, c'était pas cher, c'était 99 centimes le petit bol comme ceci. Ensuite, pour 89 centimes, on s'était pris une petite bouteille d'aloe vera à boire original avec 30% d'aloe vera. Donc celle-ci, c'est pareil, on l'achète assez souvent là-bas, elle n'est pas très chère. Elle existe aussi en grand format, c'est 1 litre ou 1 litre et demi je crois, et elle n'est pas très chère non plus comparée à d'autres magasins. Voilà pour ceci. Ensuite, Louis, il a voulu des petites chaussettes Spider-Man pour 1,89€. Je lui ai pris du coup ce pack de 3 paires de chaussettes. Vous avez ce modèle là comme ça avec Spider-Man.
Ensuite, vous avez un modèle comme ceci. Et enfin, vous avez ce modèle-là, avec les yeux de Spider-Man. Donc, je lui ai pris en 31-34. Normalement, ça plutôt du 27-30 que je lui prends en chaussettes. Mais j'ai vu dans pas mal de vidéos que les chaussettes type socket comme ça chez Action, elles rétrécissaient au lavage. Du coup, j'ai préféré prendre la taille au-dessus. Comme ça, je suis sûre que ça lui ira bien. Et puis, si jamais ça va pas, il les mettra plus tard. C'est pas très grave. En tout cas, c'était pas très cher. Et puis, il voulait le modèle Spider-Man. Après, elles existaient aussi en pâte patrouille, en mignon, avec les emojis, les smileys, etc. Donc, des packs de petites sockets comme ceci chez Action. Il y a plein de petites sockets et c'est vraiment pas cher du tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin pour les enfants. On sait très bien que quand on a des enfants, les chaussettes disparaissent assez souvent. Et puis, elles s'abîment aussi très, très vite. Ce qui marche partout en chaussettes. On a beau acheter des chaussons, ils n'ont pas souvent dans les pieds leurs chaussons. Ensuite, pour 1,19€ au rayon animalier, on a acheté des petites barres comme ceci pour notre petit hamster russe pour Turbo. On a trouvé, donc là, c'est les bâtonnets au goût miel de la marque Nature Fit. Vous en avez deux à l'intérieur, c'est pour tous les rongeurs. Il y a de la vitamine A et D3 à l'intérieur. Donc, elles se présentent comme ceci, elles sont vraiment pas chères, 1,19€. Donc s'il aime bien, mais je pense que je le prendrai là-bas. Parce qu'en magasin, en animalerie, etc., c'est vraiment beaucoup plus cher pour... c'est vraiment l'équivalent, hein, j'ai regardé au niveau de la composition, etc., l'équivalent de ce qu'on lui prend habituellement ailleurs. Donc là, j'ai pris celle-ci. Et j'ai également pris donc celle aux légumes. Ça se présente, c'est la même chose, vous en avez deux dedans. Et c'était 1,19€ aussi. Donc pas cher du tout. Ensuite, pour 1,99€, j'ai trouvé cette planche en bois. C'est une planche à découper, mais moi je vais m'en servir vraiment plus pour déco dans la cuisine et pour présenter des apéritifs, du saucisson, etc. Parce que je pense que si je coupe dessus, ça va abîmer les dessins. J'ai des planches à découper toutes simples pour découper, donc je l'ai pris plus pour ça, moi, pour présenter l'apéritif, pour présenter des tartines, etc. Elle était pas chère, 1,99€, elle fait 45 cm de long. Voilà, en ce moment, chez Action, ils ont pas mal de planches comme ça en bois, pas mal de modèles. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous en recherchez pour mettre dans vos cuisines. Et enfin, pour terminer, une nouveauté au rayon make-up, pour 1,95€, j'ai trouvé ce petit rouge à lèvres là, c'est un métallique foil. Color sensationnel de la marque Je mets Maybelline. Donc là, je pense que c'est tout nouveau parce que je les avais jamais vus avant. Vous en aviez plusieurs couleurs en magasin, mais les couleurs qu'il y avait se rapprochaient beaucoup de ce que j'ai déjà. Du coup, j'ai pris que celui-ci. Il est couleur pétrole un petit peu. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est noir bleuté, on va dire. Il est comme ceci. Voilà, et il fait là on verra pas bien, mais il fait vraiment un effet un petit peu pétrole, brillant, un petit peu de reflet bleu, vert, un peu essence. Voilà, il était à 1,95€ et du coup je l'ai mis dès que je l'ai acheté et il est plutôt sans transfert. Il faut vraiment appuyer très très fort avec les lèvres pour que ça fasse une marque sur la peau. Par contre, il faut faire des retouches. Il tient sur les lèvres, mais il faut quand même faire des retouches parce qu'il a tendance à s'écailler au niveau de l'intérieur de la lèvre. Mais sinon, il était plutôt bien et du coup, j'étais surprise de voir que c'était un Je mets. Je pensais que c'était pas de la marque et en fait, c'est marqué en tout petit Je mets Maybelline. Donc voilà pour cette petite nouveauté make-up de chez Action. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut !